mystère. L'enlèvement à Paris. Regardez la vie. Et nous ne sommes pas seulement un miniateur et la tour. Oui, la tour d'Eiffel est très fantastique. Et il y a Arc de Triomphe aux Champs-Élysées. Paris est très pittoresque. Oui, je ne peux pas croire que mon père a dit, surtout après tout, le jeune le monde. Il est très trop protectrice. Il veut que je veux téléphoner dès le temps. Oh là là, regarde! La vie est très belle! Nous pouvons voir la Sacré-Cœur ainsi. Et il fait de très chaudes, les soleils brûlent. Mélanie, regarde là-bas! Regarde! Qu'est-ce que tu sais que c'est? Je pense que les hommes prennent cette fille. Je ne peux pas croire mes yeux. Ouh là là, ouh! Là-bas, tu ne le vois pas? La fille sera fossée dans cette voiture. Je ne crois pas que ce soit la cas. Peut-être. Alors, il pourra m'en ne pas. Je suis un peu inquiète concernant tous les enlèvements. Oui, moi, monsieur, il faut bien l'oublier à entendre la sommet de la tour bien. Mesdames? Notre-Dame, s'il vous plaît. Mélanie, crois-tu que la voiture nous persécute? Lola, juste oublié. Personne ne suit de ta toit. Nous sommes ici, Notre-Dame est très belle. Avez-vous entendu parler de la disparition, Rosan? Oui, c'est très terrible. Espérons que ce n'est pas les hommes que nous avons vaincus. Probablement pas. Mais il faut être en garde quand même. C'est toujours important dans cette ville. Nous sommes arrivés à Notre-Dame, mesdames. Ça fait combien? 9 euros, s'il vous plaît. Au revoir. Regarde, Mélanie, l'autre voiture arrête. C'est probablement une coïncidence. Cependant, j'ai un mauvais pressentiment. Ces hommes nous regardent, Lola, regarde! Nous entrons dans la Notre-Dame! Je te vois que nous sommes arrivés à la porte de l'air. Il y a que l'œuvre qui arrive, elles sont juste derrière nous. Nous courons à la confessionnale. Je cours aussi, j'appelle les gens dans la seconde. Sois tranquille! Papa, il y a quelqu'un qui nous suit. Où êtes-vous? Dans une confessionnale à Notre-Dame. Écoutez, restez calme. Je pense qu'il s'en allait. Écoutez, tiens, bientôt, ils vont te prendre aussi. Tu as quelques secondes pour créer à quoi il ressemble. Il est grand et sombre. Il est un qui s'attriste sur Jean quand j'ai un tatouage d'aigle. Papa! Bonjour. Tu ne sais pas toucher un cheveu de ma petite fille. Je vais te trouver et je vais te tuer. Bonne chance.